Coucou, bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme. À l'heure qu'il est, vous aurez peut-être vu mon tuto pour le maquillage de lumière qui ira avec votre tenue de fête. Bon, alors moi je crois que je me suis tapé des allergies. Si, j'ai fait une réaction au blush. Donc je pense que je suis rose à vie. Si, bah si. Non mais comme je me maquille jamais, d'habitude. Bah si, non, je maquille que quand c'est la fête, sauf que mon maquillage, il doit être très vieux. Et donc j'ai dû faire une réaction. Voilà. De toute façon, comme ça fait un maquillage permanent et puis c'est tout. Bah c'est ça. Bah alors, non, bah alors, parce que. Et en fait, comme je veux que mon junk Temsha parte très rapidement, alors je l'ai fini. Enfin, ouais, je l'ai fini. Je l'ai fini. Et donc, je vais l'emballer. Il va partir. Et je vous avais promis. Enfin, je vous avais promis. Rien promis du tout, d'abord. Ah, c'est pas ça. Non, c'est que je voulais vous le montrer fini. Hein, pour. Bah, comme ça. Bah, si, comme ça. C'est ça. Donc, c'était sur le. Mon junk journal. Suivant le tuto que je vous ai fait. Il était sur le thème des chats. Donc, le problème, c'est que comme je l'envoie à quelqu'un. Je l'ai blindé de cadeaux et tout ça. Et le problème, c'est que j'arrivais plus à le fermer. Si, j'arrivais plus à le fermer, c'était horrible. Donc j'ai dû retirer des cadeaux que je mettrai à côté, bien évidemment. La personne qui recevra ce junk devra retirer les cadeaux dans les pochettes, machin, tout ça, au fur et à mesure. Et donc le junk journal, il va remaigrir. Si, il va remaigrir. Et donc, du coup, sur ce junk, on peut donc, je sais pas, moi, écrire des poèmes. Je sais rien, je dis n'importe quoi. Des poèmes, ouais, comme d'habitude, n'importe quoi. On pourrait écrire des poèmes, des pensées, votre journée, des trucs sur vos chats, ce qui vous arrive. J'en sais rien, moi. C'est ça, mettre des photos, des souvenirs, des factures de croquettes, je ne sais pas, vous ferez bien ce que vous voulez dessus, c'est cadeau. Si, alors, donc, du coup, là, bon, donc, j'ai retiré des trucs parce que je ne pouvais pas le fermer. Vous avez compris, je vous l'ai déjà dit. Et donc, voilà, donc, je vous le montre quand même. Je vous montre pas, j'ouvre pas toutes les pochettes parce que c'est pas possible déjà, c'est pour la surprise, déjà pour commencer. Et puis, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, n'est-ce pas? Et puis ça sert à rien de voir les. Non, ça vous sert à rien. C'est ça. Bon, allez, je vous montre ça rapidement, rapidement. Et après, on ira manger un petit bout. Bah, si. Puis après, on ira au dodo. Et puis c'est tout. Si. Alors, on y va. Alors, je vous oriente, comme d'habitude, sur mon superbe plan. Comment dirais-je? De. Voilà. Alors, je vais essayer de pas trop. Alors, donc. Je l'ai fait un petit peu style chabi, etc. Donc voilà que, bah, pourquoi je l'ai enrubanné comme ceci, c'est pour que la personne qui le reçoive puisse se servir de la dentelle. Bien sûr, ce n'est pas pour laisser sur le junk, c'est juste pour la récupérer et bah, s'en servir. Pour faire je ne sais pas quoi, moi je ne sais pas. La dentelle, ça sert toujours quand on aime la dentelle. C'est ça. Alors, donc je l'avais enrubanné comme ça plie d'abord, ça fait joli et tout ça. Si, moi j'aime bien. Donc voilà, mais ça, vous l'aviez déjà vu, la couverture. Je n'ai rien rajouté de spécial. Vous savez, ça, c'est la petite pochette que j'ai fait en tuto, machin, tout ça, avec les rouleaux de papier toilette. Donc j'ai juste rajouté un petit charme ici avec j'aime les chats, donc love, et puis un petit chat. Voilà, juste comme ça, voilà. Hein. Et donc il y a de la dentelle, des machins, des rubans, nanani, membres de la famille, parce que nos animaux, ce sont des membres de notre famille, on les aime. Tout ça, c'est des choses qu'on m'avait offertes et tout ça. Parce qu'il faut partager, il faut se passer les choses. Vous voyez, il ne peut plus fermer le truc, il est énorme, c'est horrible. Et encore, je vous dis, il va exploser. Donc surtout, la personne qui le reçoit, tout de suite, décharger les choses pour pouvoir voilà quoi, hein, le soulager. Ok, voilà. Zina, il va exploser. Ce sera un peu dommage. Ça va peut-être l'abîmer. Donc, s'il explosait durant le voyage, il faut que j'envoie ça en Colissimo, tout ça. Donc, si, bah, évidemment, il faudrait recoller et tout ça. Ce n'est pas dramatique. C'est du papier, attention. Hein. Donc, ce n'est pas dramatique, mais il faudrait le recoller. D'accord? Enfin, d'accord.
Je parle assez. Alors donc quand on ouvre, voilà, vous voyez ce que je veux dire, ça s'ouvre tout seul, donc ben, c'est un petit peu embêtant. C'est pas le but, hein. C'est le but, c'est d'écrire, de mettre des photos, c'est pas d'y mettre des machins, des trucs. Mais là, non, c'est comme ça. Alors donc, du coup, alors voilà. Donc j'ai dit, je n'ai pas, j'ai donc mis de la dentelle sur certaines pages. Donc là, je voulais mettre une pochette et tout ça. Alors je ne l'ai pas fait parce que je vous dis, je peux déjà plus fermer, donc c'est pas la peine. Par contre, la personne qui va le recevoir, elle peut agrémenter, elle peut l'améliorer, elle peut l'arranger à sa façon, c'est-à-dire elle peut y faire des tamponnages, des écritures, elle peut y faire des petites pochettes, elle fera bien ce qu'elle veut, c'est son junk. Donc il y a des pochettes, alors je ne vous montre pas tout, hein. Vous voyez, il y a des cadeaux, des machins dedans, des tamponnages, décidez ça, hein, voilà, donc là des petits die cuts, machin, donc j'ai fait comme ceci, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, là j'ai accroché un petit chat. Voilà, avec une petite gourde, une petite épingle gourde. Hein, dans chaque pochette, il y a des choses. Voilà. Là, c'est une enveloppe et dedans, il y a des choses, hein, des petites étiquettes et tout ça dont elle pourra se servir. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on m'a offert. Bah, je me suis servi, hein, pour faire. Voilà. Alors, j'ai fait des découpes de dentelle sur les bordures quand je n'ai pas mis de dentelle en tissu. Hein. Voilà, là, ben, des pochettes, de la dentelle, de la dentelle, de la dentelle. Hein, ben, si, c'est beau la dentelle, moi j'adore. Recto verso, évidemment, ça c'est pour coller des images, écrire, je sais pas, dessiner. Hein, c'est à ça que ça sert. J'ai mis des petites pochettes comme ceci en dentelle, des petits sachets qu'on peut récupérer pour faire des cadeaux, offrir, etc. Passe, passe, passera. La dernière, il restera. Si, alors des petits rubans. Alors là, j'ai plein de petits trous. Alors c'est fait pour accrocher des souvenirs, des rubans, des je ne sais pas moi, des trucs, hein, des bidules. Vous y accrocherez bien ceux que vous voulez. Là, c'est des pochettes. Alors j'ai mis des découpes. Voilà, des petits napperons qu'on m'avait offerts. Voilà, je passe. Là, là, bah, il faut laisser quand même des pages pour écrire. Hein, il faut quand même ex pas exagérer. Donc là, j'avais fait une découpe bordure dentelle. J'espère que l'on voit bien, mais bon, il n'y a rien de. Des découpes dentelle, des pages pour écrire tout ça. Des enveloppes, celle-là je ne l'ai même pas remplie parce que je ne pouvais plus. Ben non, elle servira à écrire, elle servira à tamponner, elle servira bien à tout ce que vous voulez. Des petits napperons pour écrire, etc. Alors là j'ai mis des. Montre pas. Des petits die cuts, des petits machins. Là ça c'est pour mettre un petit timbre, pourquoi pas. Coller un petit timbre sur le thème des chats, hein, voilà, mais il faut quand même que la personne qui le reçoit puisse faire des choses dessus, sinon ça sert à rien. Là-dedans, c'est une pochette où j'ai mis des découpes, hein, voilà, bon, bah là, c'est la page qu'on a fait ensemble avec le petit médaillon, mais je n'ai rien fait parce que c'est pour la personne, pour qu'elle fasse ce qu'elle y veut, hein, on est d'accord. Là, donc, il y avait un petit sac de vétérinaire où j'ai mis des cadeaux dedans, voilà, j'ai rien fait. Là, cette petite machin qu'on a fait ensemble, je n'ai rien mis parce que je pouvais pas. Je pouvais plus fermer sinon, mais ça sert à faire à glisser quelque chose. Si, voilà, voilà. Là, c'était encore des pochettes, un petit napperon, encore une enveloppe avec des trucs dedans. Voilà, j'ai fait des collages. Je me suis amusée à superposer des collages qu'on m'avait envoyés. Ça fait super joli. Voilà, superposer des découpes qu'on m'avait offert. Je trouve que ça fait superbe. J'adore cette page. Je l'adore. Je pense que c'est ma préférée. Ben si, c'est peut-être bête, mais c'est ma préférée. Vous m'en direz ce que vous en pensez. C'est simple mais efficace. Si, j'adore. Et là, pour mettre une petite photo du chat, par exemple, d'un de nos chats, ou je ne sais pas. Bon, des découpes dentelles, bordure, vous avez vu. Alors ça, je l'adore aussi. Ben, ça, c'est une pochette, machin. C'est une pochette de disque CD, ça, ou un truc comme ça. Si, vous collez ça, et paf, ça fait une pochette. Ben, si, j'ai fait ça. Donc, fidèle compagnon. Donc, dedans, on peut y glisser pareil, des photos, etc. Ce tamponnage-là, on me l'a offert. Il est magnifique. Donc, je lui ai mis. Enfin, je l'ai tamponné. J'ai gardé le tampon pour moi. Je l'adore, bien sûr. Alors, voilà. Alors, ça, j'ai fait des petites. Alors, on fait des onglets comme ça avec des cœurs qu'on m'avait offert. Donc, j'ai fait un. Vous voyez, un machin pour. Ah mince! Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai cru que c'était décollé. Une jolie découpe de chaise qu'on m'a offert avec un chat dessus. Il est sublime pour faire une jolie carte. Magnifique. Donc voilà, j'ai fait donc un truc comme ça avec un cœur qu'on m'a offert et j'y ai inséré une petite fleur qu'on m'a offert. J'ai mis un strass au milieu, ça fait très joli, j'adore. Là, il y a une pochette avec des trucs, des découpes, des machins. Là, c'est pareil, des trucs, des machins. Là, donc j'ai mis de la dentelle recto verso. Je fais toujours ça, moi. Alors là, c'est juste pour récupérer le ruban. On peut récupérer le ruban, hein. Je me sers des perforations là pour donc faire ça, hein, voilà. Donc pour récupérer le ruban, mais on peut normalement y glisser des cadeaux aussi. Mais là, non, je ne peux pas. Je vous dis, je ne peux pas, ça va exploser.
Le sac, il est blindé. Voilà, c'est l'autre côté du sac vétérinaire. Des papiers, encore des pochettes avec des cadeaux dedans. Des enveloppes avec des die-cuts dedans. J'adore cette page-là aussi. Avec le, on me l'avait offert celui-ci. Je trouve qu'avec le napperon, ça fait sublime. Hein. Bah, si, on love les chats. Bah, si, on love les cats. Voilà, après, j'ai fait des découpes de dentelle rebelote. Rebelote là. Si, là, c'est pour écrire, là, machin. Là, un petit, alors, j'ai gardé la bougie, je l'ai fait brûler pendant, vous verrez le tuto, je me suis servi de cette bougie qu'on m'a offert pour mettre l'ambiance. Et donc, le petit sachet en satin mauve, je l'offre. Ben, si, je fais passer, hein, moi, je prends la bougie et j'offre le petit sac parce que ça fait, pour mettre un petit bijou, pour offrir un petit bijou, pour faire des petits sachets de senteur pour mettre dans l'armoire avec de la lavande ou des fleurs, des roses, des, je ne sais pas, moi. On peut faire plein de petites choses avec ces sachets-là, vous le savez bien, de toute façon, il n'y a pas besoin de moi pour ça. Donc là, j'ai mis du washi pour faire tout le tour de cette page-là. Et donc, là, il y a une pochette, c'est pareil, j'ai rien mis, je ne sais pas. Mais vous y mettrez des choses. Voilà, toc, toc, des pochettes, des machins, des découpes. Là, c'est pareil, c'est une pochette en dentelle. Moi, je ne peux rien mettre, vous voyez, je ne peux pas. Là, j'ai mis un petit post-it avec un chat. Bah, vous mettez une note et hop, vous l'emmenez avec vous. Voilà. Là, donc, c'est des petites découpes, des petits tamponnages sur les chats. Là-dedans, j'ai mis quoi? Des trucs, des étiquettes de chats. Là, des petits rubans qu'on peut détacher. C'est un support alors qui est comme ça avec des perforations, hein, que j'ai fait avec du PQ. Et donc là, on peut y accrocher des charmes et tout ça. Mais là, j'ai mis des rubans parce que ça, ça fait moins gros aussi. Mais on peut y poser des charmes, etc. Alors là, c'est à récupérer les rubans, bien sûr, pour faire des jolies cartes ou des fermetures ou je ne sais quoi. Donc là, une jolie, jolie création qu'on m'avait fait. Donc, à toute brodée autour. Et de, donc, j'ai fait des fleurs là, des fleurs comme ça, vous l'ouvrez, vous savez, c'est des pétales là, et dedans vous mettez des messages, hop, ou des photos, que sais-je, et hop, vous les glissez là, ça fait petit pense-bête, ainsi. Donc j'en ai mis 3, et puis donc j'ai fait une pochette comme ceci où j'ai glissé des petits napperons en dentelle, voilà. Top. Là, donc, c'est une enveloppe où je n'ai... Non, je n'ai rien mis parce qu'elle était déjà chargée, donc je n'ai rien mis. Ça, c'est le premier livret, je vous explique. Hein. Donc, après, je ne pouvais plus. Je ne pouvais plus. Donc, là, dans ce... là, je n'ai rien mis parce que je ne peux pas, mais on peut y mettre plein de choses. Hein, ce n'est pas le problème. Ensuite, ça, c'est la page où on avait fait le petit tuto de la petite pochette. Donc, dedans, c'est des timbres. Des petits timbres, voilà. Là, des coupes bordures. Là, c'est une pochette avec dedans beaucoup. J'ai mis des rubans, beaucoup, beaucoup de rubans, parce qu'avec des rubans, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Là, c'est une pochette où on peut glisser. J'ai mis de la dentelle, on peut y glisser quelque chose, bien sûr. Là, c'est encore une enveloppe où dedans, j'ai mis des cadeaux, des machins. Voilà, là, j'ai mis de la toile de jute, là. Voilà, j'ai fait ça. Bon, voilà. Là, c'est une pochette où dedans, il y a de la twine, hein, dorée, voilà. Là, j'ai mis un filtre à café. Vous voyez les perforations, là, quand vous voulez faire des petites fermetures un petit peu originales ou des belly bands ou je ne sais quoi. Donc, ces feuilles-là, je les utilise. Je passe un ruban dans la perforation, je fais le tour de la page et je ferme un filtre comme ça. Hein, vous pouvez faire ça. Donc, dedans, j'ai mis d'autres rubans, des feuillages dorés, etc. Bon, voilà. C'est un exemple. Et donc, ça passe de l'autre côté. Vous voyez, le ruban, il passe comme ceci. Il passe de l'autre côté. Et là, c'est pareil. Vous pouvez glisser quelque chose. Mais rien ne vous empêche de récupérer le ruban pour vous en servir, bien sûr. Hein. D'accord? C'est le but. Hein, c'est de se servir des choses qui sont dedans. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà. Et puis, donc, après, ben, des pages. Hein, des pages pour écrire, des pages pour dessiner. Des pages pour faire ce que vous voulez. Là, donc, c'est un petit livret où dedans, il y a des images, enfin, comment on appelle ça? Voilà, des éphéméras, quoi, hein, d'accord? Voilà, avec des souris, hein, bah si, parce que les souris, ça va bien avec les chats. Et un petit sentiment trop d'amour, bah si, c'est trop d'amour. Et puis, un petit charme chat, hein, qui peut être pris, hein, faut le prendre, hein, si on a besoin, paf, on s'en sert, hein, bah si, c'est fait pour ça. Voilà, passera, toujours, passera. Donc, des pages en dentelle, un filtre où j'ai mis rien du tout parce que j'ai plus de place, mais on peut y mettre des choses, bien sûr, c'est une pochette, un petit napperon qu'on m'avait offert, j'ai adoré.
une page de calque, hein, vous pouvez mettre une photo comme ça derrière par transparence ou faire un dessin ou faire des écritures et on voit, ça fait très très joli. Ben, si. Là c'est une pochette aussi, hein, voilà. J'ai fermé avec un bout de dentelle ici, voilà, des pages pour écrire, des pages pour coller des photos, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai mis là? Là encore des pochettes bien sûr avec de la dentelle. Donc là, vous pouvez y accrocher des charmes, des rubans, etc. Hein. Voilà, là, c'est rien. Ensuite, ça, donc rebelote, le filtre avec... j'ai rien mis non plus, mais voilà. Je peux plus fermer. Je mettrai à côté, ça n'a pas d'importance. Là, donc, avec la fleur, j'ai fait un onglet pour... Bah, normalement, c'est pareil, mais la personne, elle le fera, elle mettra des choses. Hein. J'ai rien, là, mais mettez des choses, paf, voilà, bah tiens, voilà. Ça y est, voilà. Toc. Une enveloppe où on peut mettre des choses, mais j'ai plus rien. J'ai rien mis. Alors, si on ne peut pas mettre quelque chose dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre une page, une. Là, j'ai pas. Moi, j'ai une carte là, par exemple, sous la main. Vous pouvez très bien coller dessus là. Si l'enveloppe n'est pas utilisable, un petit tuyau. Vous collez une carte, une base de carte dessus. Hein, vous collez, vous mettez de la colle derrière, vous collez la carte là. Ok, vous pouvez même décaler, hein, ça n'interdit pas, vous pouvez décaler, laisser là comme ça, hein, ce n'est pas gênant. Vous collez donc une partie de la carte et ça peut vous servir de livret, d'accord? Vous pouvez rajouter des pages comme ça sur les pages, hein, vous pouvez faire des collages. Là, celle-ci, par exemple, vous dites, oh, j'ai envie de coller quelque chose dessus, vous collez une carte dessus et une carte que vous pouvez ouvrir, faire un livret, vous pouvez l'ouvrir dans ce sens-là, amusez-vous à agrémenter et améliorer le junk et le transformer à votre façon et à votre goût, hein. Surtout à votre goût. Hein. Donc là, bah, c'est pareil, hein. Vous pouvez y faire des belly bands, etc., avec des rubans qui passent, des machins, là, un petit filtre, j'ai juste mis du, comment que ça s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin du truc, là, du raffia, voilà, du raffia rose. Ça peut toujours servir. Des petites pochettes, vous y mettrez bien ce que vous voulez. Si vous ne voulez rien y mettre, je répète, vous y collez quelque chose. Vous collez, vous voyez, vous en servez comme ça pour pouvoir faire des carnets, etc. Ou vous rajoutez une page, hein, vous collez un bout de page là et ça fait une page supplémentaire. Vous avez compris? Si, vous avez compris. Voilà. Donc là, c'est un belly band. Dans ce sens-là, c'est volontaire. Hein. Ce n'est pas une pochette, c'est pour y suspendre des jolies choses. Voilà, ensuite ben, des pages pour écrire rebelote, et là donc à l'intérieur il y a des cadeaux mais je ne veux pas vous montrer, il y a entre autres de la dentelle et un petit cadeau, un petit aimant pour le frigo, si j'ai mis un petit aimant pour le frigo sur le thème des chats, mais je ne vous montre pas parce qu'il n'y a plus de surprise sinon. Et puis là donc c'est le tuto que l'on a fait ensemble, les petits bloc-notes, hein, comme ceci avec des pages machin, pouf pouf pouf, et quand il n'y a plus de pages, on s'en fiche, ben, vous prenez des notes. Et quand il n'y a plus de page, eh bien, vous collez une image, vous faites ce que vous voulez, vous écrivez un mot, c'est la fin, je ne sais pas, vous faites ce que vous voulez. Vous avez compris? Ah ben oui, et puis j'aimais bien celui-là parce qu'il y a un petit tag là. Si, si, un petit tag là où on peut aussi mettre des choses. Voilà, maintenant, j'arrive plus à le remettre. C'est ça! Voilà, donc vous avez compris, c'est terminé. Je suis très contente parce qu'il va partir. Je veux qu'il parte demain. Donc, je suis ravie, vous ne pouvez pas vous imaginer. Voilà, j'ai mis un petit seau avec la lettre A, je l'ai déjà dit, comme NJ, comme amour, comme amitié, voilà. Hein, d'accord? Si, c'est ça. Et donc, la date où je l'avais commencé le 10 décembre. Voilà, si. Et on est le, je ne sais pas, le 20. J'ai mis 10 jours à le faire. Hein. Si. J'ai mis 10 jours à le faire parce que y a plein de choses à faire. Voilà. Donc, je vais le fermer. Je vais essayer. C'est horrible. C'est horrible, je ne peux pas. Donc, voilà, je ne peux pas le fermer. C'est l'horreur. Donc, je ne vais pas trop forcer parce que, comme je le disais, je ne veux pas qu'il soit abîmé, bien évidemment. J'espère. Donc, je vais mettre tout ça. Je vais le refermer avec tout ça. Ça sera très joli. Si, j'espère bah, que cette petite présentation vous aura fait plaisir. Peut-être vous aura donné des idées. Il n'y a pas de grandes choses hein, dedans. Parce que c'est pareil, c'est pas un junk élaboré, c'était un junk pour débutants, hein, qui n'est ni relié par couture, etc. Et les deux livrets ne sont pas ces deux livrets qui pourraient être démontables d'ailleurs. Hein. Vous pouvez retirer des pages, etc. Hein. Celui-ci, il est vraiment, on pourrait dire, amovible. Enfin, oui, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on s'en fout. On dit ce qu'on veut, on a droit. C'est ça. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez retirer des pages ou même en rajouter. Si, vous pouvez faire ça. Donc, c'est le genre de junk qui est assez sympa à faire quand on débute. Si. Bon, écoutez, je vous souhaite cette fois-ci, non, c'est le troisième de la journée, de l'après-midi, parce que j'ai bossé un petit peu quand même, si, un petit peu. Et donc, du coup,
Je vais aller prendre un petit verre d'eau, un petit verre de je sais pas quoi tellement j'ai parlé. Et puis je vais aller manger un petit bout et comme je vous le disais, je vais aller me coucher. Si, je vais faire ça. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, passez une belle soirée et puis prenez soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tuto car je vous réserve évidemment d'autres choses, d'autres choses. Bisous, bisous, à très vite, à bientôt.